Eh bien, salut tout le monde, c'est Vinbab, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez-moi, ça va très très bien. Donc pour cette petite vidéo, je vous avais dit que juste après la présentation de la petite box Egoyo de chez DuraTech, donc je vous allais vous présenter le Pinkman en 70-30, donc 70 BG et 30 PG. Donc le Pinkman, voilà. Donc le Pinkman est un mélange de fruits, hein, donc on sent plus le bonbon à la cerise. Vraiment, ça fait un petit bonbon à la cerise. Donc je vais vous tester ça sur la petite box DuraTech. Hein. Voilà, débit de vapeur exceptionnel pour une petite DuraTech, donc une Egoyo. Donc on sent vraiment pas mal le... Comme je vous ai dit, le bonbon à la cerise. Vraiment, voilà. Le liquide est là, même sur cette petite box. Voilà, les résistances. Voilà, on sent vraiment bien le goût. Le débit de vapeur, bon, voilà, il y est hein, pour du 70-30. Hein. Vraiment, je suis vraiment content. Donc, voilà, j'ai eu cette petite box pour vous la présenter. Vraiment, je suis très très content. Donc, là, ça fait 2 jours que je vape dessus. Donc, j'avais fini. Je vous avais testé avant. Quand j'ai fait l'ouverture du Lumbunxing, voilà, de la Egoyo de chez DuraTech, bon, le petit packaging, voilà. Donc je vous ai présenté aussi le liquide pomme de chez Bioconcept. Donc voilà, donc vraiment très très bon, 11 mg de nicotine. Donc la première fois que voilà que j'avais testé, ça m'a fait un peu tousser parce que voilà, moi je suis tout le temps sur Drupper, hein, voilà. Donc là j'avais remis le Royal Hunter. Donc les débits de vapeur et voilà, c'est pas la même chose. Mais je suis vraiment très très content voilà de la petite box, hein, voilà pour mettre des bons petits liquides des fois quand j'en ai ou quoi, pour des petits liquides en 80 PG, 20 VG, même du voilà, c'est pas mal, hein, voilà. Donc même si on prend des grosses barres avec. Vraiment, on n'a pas le goût de cramer, voilà. C'est vraiment que voilà, la mèche s'imbibe bien même avec du 30-70. Donc vraiment, j'avais fait, comme je vous ai expliqué dans les anciennes vidéos, je vous avais dit aussi que, bah voilà, il y avait des potes, ils avaient des petites égoyaux, mais en rond comme ça, voilà. Et ils m'avaient dit, bah voilà, j'aimerais bien tester ton produit, machin. Et je dis, ouais, mais ça m'étonnerait que ça passe avec des petites résistances, voilà. Moi, je me rappelle, j'étais même sur le TFV8 avec la box Smoke, donc la 350 kit. Donc j'avais dit, mais non, c'est déjà sur le TV8, voilà, si on tire des grosses barres je veux dire, à 200 watts, voilà, le goût de cramer il y est. Donc j'ai voilà, sur les petites résistances, ça va pas trop passer. Et j'avais fait tester, j'avais blindé sa résistance, je me rappelle, même de liquide. Donc en 30-70, donc 30 PG, 70 VG, j'avais mis. J'en ai mis un peu aussi, vraiment un tout petit peu dans son petit réservoir. J'ai dit voilà, attends, je vais essayer, ça va pas faire beaucoup de fumée, j'ai même tu vas avoir le goût de cramer. Voilà, j'ai essayé, bon les premières taffes, voilà, il y avait encore son ancien produit. Mais à force, il y avait beaucoup de vapeur qui sortait. J'ai dit, c'est bizarre ça. Et on vapait, puis j'ai dit oui bah attends, je vais prendre le TB8. Et ça avait vraiment le même goût. Et on sentait encore mieux les arômes dessus. Et voilà, je suis vraiment pour une petite résistance. Hein, donc je peux même vous la faire voir, la résistance, vraiment, elle est vraiment petite. Hein. Donc voilà, j'étais vraiment étonné. Donc voilà, donc les résistances étaient dans le petit pack si vous avez regardé. Hop. Je fais tomber. Voilà, vraiment pour une petite résistance comme ça, vous voyez. Voilà, il y a les petites résistances. Hein. Donc celle-là va de 15 à 28 watts, c'est 0,6. L'autre, je crois que c'est 0,8. Donc voilà. Hop, le petit drip tip que je vais bien juste mettre là. Hop là. Voilà. Vraiment, vous voyez le débit de vapeur. Si vous voulez acheter une petite DuraTech, voilà pour les débutants. Et vous faites votre, si vous faites votre liquide vous-même, voilà, c'est vraiment pas mal. Là, peut-être dans un mois ou deux, je vous mettrai quelques vidéos plus souvent. Donc, j'essaierai d'en mettre 2-3 par semaine. Puis bah, en même temps, je vous ferai voir comment on fait son DIY soi-même. Donc, le do it yourself et le toi-même en anglais. Donc, faire son e-liquide soi-même. Voilà, donc je vous montrerai comment faire son e-liquide. Voilà, le débit de vapeur est vraiment pas mal hein, pour les même les débutants, voilà. Si vous voulez commencer avec des petits liquides comme ça, voilà. Et après que voilà, vous vous dites ouais, ça fait pas beaucoup de vapeur, voilà. Et bah là, je vous conseille
la DuraTech, là, donc la Eguayo de chez DuraTech. Et après, vous mettez des bons petits liquides dedans en 70-30, même en 50-50, ça passe. Hein. Alors voilà, bah vraiment, je suis vraiment très très content. Donc aussi, il y a un moment que, bah voilà, maintenant ça n'existe plus, c'était les petits flacons en 20 ml comme ça de chez Alpha Liquide. J'ai goûté le citron vanillé. Alors vraiment, elle était très très bonne de chez Alpha Liquide, voilà. Donc voilà. Donc, je vous le conseille. Je vais tirer une petite barre. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, allez, ciao.